Le Wi-Fi, c'est génial et surtout bien utile. Vous vous voyez vous promener avec votre smartphone relié par un câble à votre modem partout chez vous ? C'est impossible ! Par contre, le Wi-Fi a aussi ses limites. Et oui, c'est utile, mais pas encore complètement magique. En effet, le signal Wi-Fi qu'envoie votre modem a une portée limitée. Les annonces de portée en plein air sont souvent impressionnantes, plusieurs dizaines de mètres, mais vous installez rarement votre modem dans un champ. La portée est donc beaucoup moins grande dans votre maison. Le Wi-Fi étant transporté par une onde, il peut également être perturbé par d'autres appareils. Un bon conseil, évitez de placer votre modem dans une boîte métallique ou à côté d'un autre appareil générant des ondes, tel qu'un téléphone fixe portable ou un micro-ondes par exemple. Il n'y a pas que les appareils qui peuvent poser problème à votre Wi-Fi, mais aussi simplement les matériaux de construction de votre maison. Par exemple, des murs épais, des blocs de béton armé ou encore un chauffage par le sol. Pour cela, une solution peut être d'installer un Wi-Fi booster qui permet de prolonger le signal de votre modem. Bonne nouvelle ! Proximus travaille sans cesse pour améliorer son Wi-Fi via son Smart Wi-Fi. Le but est que votre modem s'adapte en permanence pour que chacun de vos appareils puisse recevoir le meilleur signal possible, suivant l'endroit où il se trouve. En conclusion, le Wi-Fi est une technologie dont on ne peut déjà plus se passer, mais qui a encore certaines limites. N'hésitez pas à parcourir nos conseils via le lien qui apparaît maintenant sur votre écran. Proximus, think possible.